de ce côté-là, formation et autres, a tout le temps été à la pointe au sein de Midi-Pyrénées, pardon, Occitanie et Midi-Pyrénées. Donc nous sommes, je pense, vraiment au top concernant la formation et tous les autres secteurs tels que formation au point de vue juridique ou autre. Voilà, donc sans plus tarder, je vous passe la parole à l'intervenante et en Merci souhaitant vous rencontrer à nouveau, et je souhaiterais, beaucoup. c'est Monsieur Rigaud, c'est ce Rigaud Bonnet qui va prendre la suite, c'est l'intervenant qui va mener cette formation. Bien, à bientôt de vous rencontrer et bonne journée à vous tous. Au revoir. Bon, donc Monsieur Bonnet, Monsieur Rigaud Bonnet, si vous voulez, on peut commencer la réunion, si vous souhaitez. Allez, bon, vous m'entendez? Très bien. Allez, bonjour à tous. Hop, je vais vous mettre le support. Allez, hop, donc ce matin, je vais vous présenter le conseil municipal. Avant tout, je vais vous présenter. Je suis Christophe Rigaud-Bonnet. Je suis directeur de la réglementation de l'état civil des élections à la mairie de Carcassonne et j'interviens assez régulièrement pour le CNFPT ou pour l'Association des maires de France. Alors, aujourd'hui, donc, le conseil municipal, j'ai souhaité faire un petit rappel tout d'abord sur le tableau du conseil municipal. C'est souvent une interrogation de la part des élus et des services des mairies. Pourquoi j'ai souhaité faire en fait, simplement quand j'ai mon collègue de la préfecture de l'Aude, de temps en temps, on fait un point et souvent, les derniers temps, cette interrogation venait. Donc, voilà, le petit rappel, qu'est-ce que c'est que l'ordre du tableau? On pourrait dire c'est une sorte d'ordre protocolaire des élus. Tout d'abord, les premiers éléments sont simples, c'est le maire suivi des adjoints, dans l'ordre des adjoints. L'interrogation arrive souvent par rapport aux conseillers municipaux. Déjà, il faut extraire les conseillers délégués. Les conseillers délégués ne sont pas prioritaires sur les conseillers municipaux. Pour définir l'ordre après les adjoints, tout d'abord, on regarde l'ancienneté en élection. Mais quand il y a un renouvellement général, l'ancienneté, elle est identique à tout le monde. Le deuxième élément, c'est le nombre de suffrages qui ont été obtenus. Donc, assez simple pour le deuxième. Petit rappel, quand on est sur des communes où on élit par liste, tout simplement, ben, c'est la première liste suivie de la deuxième, suivie de la troisième, s'il y en a eu trois ou quatre ou cinq. Et le dernier élément, c'est l'âge. Régulièrement, le code électoral fait la priorité et l'avantage à l'aîné. Donc, voilà. Nous allons attaquer sur le conseil municipal. Tout d'abord, sur la convocation, j'ai illustré à deux ou trois reprises sur deux communes qui me sont chères, j'oserais dire. La première, celle où je travaille, la deuxième, celle où j'habite. Donc, comme vous pouvez le voir, j'habite la commune de Trèbes, qui est un petit peu connue depuis quelques années. Alors, le conseil municipal, donc la convocation. Quand c'est que le maire convoque le conseil municipal? Donc déjà, je vous le dis, c'est le maire qui convoque de façon régulière le conseil municipal. Tout d'abord, chaque fois qu'il le juge utile, il va le juger utile par rapport au dossier qu'il doit inscrire à l'ordre du jour et par rapport aux différentes évolutions de sa commune. Sinon, d'après le code, la périodicité est trimestrielle. D'entrée, petit élément, il n'est pas prévu de sanction si vous ne le faites pas de façon trimestrielle. Cependant, c'est la règle. Ensuite, il y a deux autres cas qui peuvent intervenir. C'est tout d'abord, dans les 30 jours, lorsque il reçoit une lettre du préfet ou du sous-préfet qui lui impose de réunir le conseil municipal, par exemple sur une délibération ou un dossier que le maire ne souhaiterait pas mettre à l'ordre du jour et qu'il a obligation de faire. Et dernier cas, quand il y a un tiers en exercice du conseil municipal, qui le souhaite, et là, à ce moment-là, il a obligation de convoquer le conseil. Si
contre, le maire refuse de convoquer le conseil quand les conseillers lui réclament, là, à ce moment-là, il pourrait être sanctionné pour un abus de pouvoir, puisque la loi lui impose de le réunir. Dans les plus petites communes, souvent, on élabore, j'oserais dire, une sorte de calendrier réunion fixe du conseil. Ceci n'est pas du tout interdit. Par contre, si vous faites ce calendrier, vous avez malgré tout l'obligation de convoquer les conseillers municipaux. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a un calendrier préétabli en amont qu'il ne faut pas convoquer les conseillers. Petit élément, c'est le maire qui convoque, donc c'est à lui de définir la date, l'heure et le jour de la réunion de son conseil. Le seul élément qu'il a comme obligation, c'est de respecter les délais de convocation. Les délais sont pour des communes supérieures à 3500 habitants de 5 jours, pour les communes inférieures à 3 jours francs. On verra dans la slide suivante comment on calcule ce délai franc pour la réunion. C'est pas ça, le délai que je vous donne, c'est le délai le plus court, d'accord ? Rien n'interdit de convoquer sur un délai plus long, à savoir 10, 15, 30 jours à l'avance le conseil municipal. Par contre, si vous ne respectez pas les délais, la délibération adaptée sera considérée comme nulle par le juge administratif. Petit élément supplémentaire que je vais rajouter, c'est la convocation d'urgence. On peut réduire à un jour franc la convocation du conseil municipal. Cependant, il faudra tout d'abord délibérer sur l'urgence. On pourra adopter cette délibération. Mettre au vote la délibération. Cependant, je vous invite fortement à utiliser l'urgence qu'à cas d'extrême urgence, comme le dit la phrase. Pourquoi ? Parce que le juge pourrait considérer que si vous convoquez régulièrement de façon urgente en ne respectant pas le délai classique, qu'il y a un abus de pouvoir et à ce moment-là aussi, il pourrait rejeter les délibérations qui ont été prises. Petite précision aussi, vous pourriez rajouter au dernier moment une délibération et faire une convocation d'urgence en plus de la convocation traditionnelle pour votre conseil municipal parce que vous auriez décider de rajouter un élément qui est arrivé au dernier moment et qui est urgent pour le rajouter à un conseil municipal convoqué de façon régulière en amont. Comment calcule-t-on le délai ? Le jour de l'envoi de la convocation et le jour de la réunion ne sont pas pris en compte. Les samedis, dimanches et jours fériés sont comptés comme un autre jour. Et la convocation est envoyée par exemple lundi, le conseil ne pourra pas se réunir avant le vendredi. Petit rappel, des fois c'est même petite information, parce que la loi est peut-être passée un petit peu inaperçue. Je vous rappelle que nous rentrons dans l'ère de la dématérialisation, donc depuis le 27 décembre 2019, la règle de convocation du conseil n'est plus une règle traditionnelle, je dirais, par courrier à la poste, mais une règle dématérialisée. Voilà. Comme nous sommes dans les débuts de l'application de la loi, et en particulier quand il y a un conseil municipal, le juge, d'après moi, ne vous sanctionne pas si vous restez sur la convocation, j'oserais dire, traditionnelle. Cependant, vous devrez rentrer très rapidement dans la convocation dématérialisée. Un conseiller municipal peut, pour X ou Y raison, refuser cette méthodologie de réception de la convocation. Donc, de ce moment-là, il devra en informer le secrétariat et repartira sur de la convocation traditionnelle. Je suis assez ennuyé, comme je l'ai dit déjà à vos prédécesseurs quand je forme sur cette intervention, sur le conseil municipal, sur comment on fait, tout simplement, parce que c'est une nouveauté, il n'y a pas de jurisprudence et il y a peu d'éléments. Alors, si on en reste à la convocation traditionnelle qui veut qu'on convoque individuellement chaque conseiller, donc sur le principe, oui, il faudrait convoquer par mail chaque conseiller de façon individuelle.
bien évidemment, je vous invite fortement à mettre dans votre mail de convocation de réception pour être sûr qu'il ait bien reçu la convocation. Je suppose en parallèle de ça que pour ceux qui utilisent des logiciels de conseil, rapidement, cette option va être prise en compte et on pourra, d'une façon globalisée, envoyer la convocation. Nous sommes dans un élément qui reste public. De ce fait, la convocation fait partie de la règle de publicité des actes et elle doit être non seulement mentionnée dans le registre des délibérations, comme on verra dans la présentation, mais en parallèle de ça, d'après la tradition, elle doit être affichée à la porte de la mairie. Bon, évidemment, la tradition y a évolué du fait du nombre et du volume, c'est 300 d'éléments qu'on doit afficher. Donc, bien évidemment, quand on dit à la porte de la mairie, c'est sur le panneau qui est attribué à cette fonction d'affichage. Juste une petite parenthèse, je vous rappelle que depuis que nous sommes dans l'urgence sanitaire, vous avez la possibilité aussi, si vous avez un site internet, de publier sur le site internet. Le lieu du conseil municipal. Alors, premier point. Sur le principe, le conseil municipal se réunit à la mairie. D'accord. Pour X ou Y raison, de façon temporaire, vous pouvez décider de le réunir ailleurs dans une autre salle si vous avez en particulier des travaux ou une problématique. Je fais fi, bien évidemment, de la période que nous traversons, qui vous permet de réunir dans une salle plus grande sur le territoire de votre commune, voir si ce n'est comme lors de la réunion du premier conseil hors de la commune, votre conseil municipal. Donc là, de façon traditionnelle, sur le principe, ça doit être sur la commune et sur une salle municipale. L'autre élément aussi, c'est de règles de placement au sein de la salle du conseil. Cependant, la tradition veut que le maire est entouré de ses adjoints. Vous avez en bas une photo de la salle du conseil municipal de la ville de Carcassonne, qui est une salle qui a été attribuée uniquement pour ce type de réunion. Au centre de la photographie, vous avez le maire de Carcassonne qui a à sa droite sa première adjointe et à sa gauche sa deuxième adjointe. Et en face de lui, les conseillers. Sur l'élément, vous pourriez préciser aussi, on le verra tout à l'heure, dans le règlement du conseil municipal, comment le placement peut se faire. Un petit rappel aussi, c'est que le lieu du conseil municipal doit garder une neutralité, d'accord ? En parallèle de ça, il doit permettre aussi que les travaux se déroulent de façon facilité et dans les meilleures conditions possibles. On peut définir définitivement une autre salle à partir du moment où on aura délibéré, mais cependant, je vous rappelle que, en particulier quand vous faites un transfert provisoire de votre salle du conseil municipal, vous devez analyser la population, étant donné que le conseil municipal est obligatoirement savoir où c'est qu'il se réunit. La convocation par elle-même. Alors, premier point sur le principe, déjà, c'est régi par le Code général des collectivités territoriales, en particulier l'article 21-21-12 sur la convocation par elle-même. Il n'y a pas une règle, j'oserais dire, formelle. La convocation du conseil municipal, ce n'est pas un CERFA que l'on remplit. D'accord ? Vous avez des obligations de mettre un certain nombre d'éléments, comme le lieu, la date, et surtout l'ordre du jour. L'ordre du jour est impératif dans la convocation du conseil municipal. On peut, en parallèle de ça, rajouter questions diverses à la fin. Simplement, vous pourriez être sanctionné par le juge si vous mettiez en questions diverses des éléments de l'ordre du jour qu'on estime importants et nécessaires et que vous n'auriez pas donné en amont la connaissance à vos élus sur les sujets que vous allez aborder.
Je vais directement. Est-ce qu'on doit mettre le budget dans les questions diverses? Non, le budget est un élément primordial de la commune. Le juge pourrait vous sanctionner si dans votre ordre du jour, vous n'auriez pas inscrit le mot budget et que vous l'auriez traité dans les questions diverses. Concernant la convocation, bien évidemment, il faut qu'on soit le plus précis possible dans les sujets qui vont être abordés. Premier point. Deuxièmement, petit rappel, dans les communes supérieures à 3500 habitants, les NES, les notes explicatives de synthèse, sont obligatoires. D'accord? J'ai bien dit dans les communes supérieures à 3500 habitants. Ce qui permet de répondre à une des questions qui a été écrite, c'est uniquement dans ce cadre-là qu'il faut que vous mettiez une NES. Petite parenthèse, la NES est obligatoire dans les communes inférieures à 3500 habitants à partir du moment où l'on va traiter d'un sujet. Alors attendez, je vais vous dire exactement sur les établissements classés. D'accord? Si vous avez un établissement classé et que vous avez une délibération à prendre, il faut faire une NES. Ce n'est pas le code général des collectivités territoriales qui vous l'impose, c'est le code de l'environnement. Sinon, on est uniquement dans les communes supérieures à 3500 habitants. On rentrera un peu après dans les éléments sur la NES. Je rappelle, comme je vous l'ai dit en amont, c'est le maire qui reste maître de l'ordre du jour, puisque c'est lui qui convoque, pardon, c'est lui qui décide quels sujets vont être traités. En parallèle de ça, n'importe quel conseiller peut demander au maire de rajouter à l'ordre du jour un sujet, un thème. Cependant, le maire peut le refuser, mais il devra justifier son choix de pourquoi il a refusé de mettre cet élément à l'ordre du jour. Je le redis, en cas de convocation de conseil sans ordre du jour, le juge considérera que tout le conseil est nul et non avenu. D'accord? Vous devez avoir obligatoirement un ordre du jour. Alors, je vous incite à l'éviter. Cependant, le code dit, il n'est pas très précis là-dessus malheureusement, que vous avez la possibilité de rajouter à l'ordre du jour une délibération à partir du moment qu'elle est vraiment en osmose avec l'ordre du jour, sur un oubli sur un ordre du jour. Cependant, moi, je vous invite fortement à éviter ce type de délibération. En parallèle de ça, on peut inscrire à la fin les questions diverses. D'accord? On verra ensuite, avec le règlement intérieur, comment on traite les questions diverses. L'idée, c'est que vous pouvez aussi enregistrer une question, en particulier une question orale, voire même une question écrite, et si vous l'avez prévu dans votre règlement intérieur, ne répondre qu'au conseil municipal suivant, ce qui permet parfois, parce qu'on n'est pas obligé de tout connaître par cœur et sur le bout de ses doigts, de pouvoir travailler et préparer une réponse qui correspondra exactement à l'attente de votre élu et de ce fait, la mettre à l'autre conseil. Je reviens sur c'est obligatoire. L'idée de la messe est de permettre à un élu d'avoir un maximum d'informations avant de faire un vote. D'accord? L'idée, c'est de lui donner le maximum d'informations, mais ces informations ont une obligation, elles doivent être adéquates par rapport au sujet, premier point. Deuxième point, elles doivent être loyales et elles doivent être adaptées. C'est ce que demande le code. Pourquoi ça? Bien, tout simplement, l'idée, c'est de ne pas influencer le vote des élus dans la NES. D'accord? La NES doit garder une certaine neutralité. En parallèle de ça, vous pouvez aussi avoir la possibilité, on le verra dans le règlement intérieur, proposer à vos élus de consulter l'ensemble des pièces nécessaires en amont du conseil afin qu'ils puissent délibérer et comprendre le sujet qui est mis à l'ordre du jour. L'idée de la NES est de permettre à l'élu d'avoir une vision et de percevoir les enjeux du sujet. Je vais là-dessus, les services sont habitués.
il y a un certain nombre de conseils qui sont classiques et obligatoires, pardon, pas de conseils, de sujets évoqués au conseil qui sont classiques et obligatoires. Il y a un planning à respecter. Petit rappel aussi, le compte administratif, le maire doit sortir lors du vote du compte administratif. La question se pose des fois quand il y a l'ancien maire et le nouveau maire. Moi, j'invite les deux à sortir. Il y en a un qui représente le maire et l'autre, c'était quand même son compte administratif. Donc, les deux peuvent sortir. On verra après qu'est-ce que c'est que le quorum. Mais d'entrée, je vous le dis, quand on calcule le quorum, le maire, quand il sort, est pris en compte dans ce quorum. D'accord ? Puisque, je commence à vous le dire, on calcule le quorum par rapport au présent lorsqu'on met un sujet en débat. Pas au vote, quand le sujet est lancé au débat. Petit point particulier, pour les communes de supérieures à 3500 habitants, le débat d'orientation budgétaire, le DOB, la règle veut qu'il ait lieu dans les deux mois précédant le vote du budget. Déjà, vous n'avez pas le droit, je vous dis bien, vous n'avez pas le droit de faire le même jour le débat d'orientation budgétaire et le budget. D'accord ? Par contre, vous avez maximum 2 mois. Vous ne pouvez pas non plus le faire 6 mois avant. Donc, vous pouvez prévoir 2 conseils assez rapprochés pour faire le débat et pour faire dans la foulée le vote de votre budget. Le quorum. Alors, on est bien d'accord que le quorum que je vous parle là, c'est le quorum classique, traditionnel, pas le nouveau quorum qu'on a le droit d'utiliser depuis qu'on est rentré dans le Covid et qu'un certain nombre d'ordonnances prévoient qu'on peut être qu'un tiers physiquement des membres et que qu'un conseiller peut avoir 2 procurations. Dans le traditionnel du quorum, c'est la majorité des membres en exercice qui doivent être présents. Tout simplement, je vous donne 2 exemples. Pour un conseil de 12 membres, le quorum est à 7, puisque c'est la moitié plus 1, 6 plus 1, ça fait 7. Et pour un conseil à 19, c'est 10. Pourquoi ? Parce que c'est 9 et demi, donc ça fait 10. On calcule le quorum pas avec les procurations. Le quorum est calculé uniquement avec les élus qui sont physiquement présents. Et comme je vous l'ai dit juste avant, on calcule le quorum au moment du sujet, pas du vote. Si un conseiller est sorti lors du vote, on considère comme son vote en abstention. S'il n'y a pas le quorum, vous avez obligation de reconvoquer un conseil municipal qui se réunira sans un quorum particulier, mais vous avez obligation de remettre l'ordre du jour, en totalité ou partiellement. Quand je vous dis partiellement, ben c'est tout simplement si vous avez perdu le quorum tout au long de du conseil précédent, mais vous devrez stipuler dans votre convocation qu'il s'agit d'un conseil qui est reconvoqué suite à un manque de quorum dans celui précédent. Et vous devez le faire au moins 3 jours francs après la séance. D'accord ? Pour les communes un peu plus grandes, je vous invite, et quand je dis un peu plus grande, faut faire attention au quorum. Je pense par exemple à Carcassonne, nous sommes à 43 élus, ce qui n'est pas non plus très très gros, mais les services calculent constamment le quorum pour être sûr qu'il n'y ait pas un élu, puisque nous avons de temps en temps des élus qui partent, et nous vérifions aussi les procurations. Je commence à vous parler des procurations, puisqu'un élu peut donner une procuration au conseil, et on calcule constamment savoir quel élu là et quel élu n'est pas là. Voilà pour cette première partie. Je vais continuer maintenant de savoir qui fait quoi au sein du conseil municipal. Tout d'abord, le conseil est présidé par le président. Alors, ça fait sourire, sans lettre, d'accord ?
Logiquement, c'est le maire qui préside le conseil municipal, mais il peut être momentanément absent ou remplacé. S'il est empêché, sa suppléance est faite par la personne qui a été désignée. Très régulièrement, il s'agit du premier adjoint. Un cas un petit peu particulier, le conseil, le tout premier conseil municipal qui prévaut à l'élection du maire, le conseil, celui-là, est présidé par le doyen. Le président, sa mission première, c'est de s'assurer de la police de l'Assemblée, c'est-à-dire que les débats se déroulent de façon normale et démocratique et courtoise. Premier élément, lors de l'organisation du Conseil, après avoir fait l'appel, le premier sujet que très souvent on met, d'accord, c'est l'adoption du procès-verbal de la tenue précédente. Alors je dis très souvent parce que la règle veut qu'il soit adopté dans le conseil suivant, mais il est écrit nulle part que ça doit être le premier sujet abordé. La tradition veut qu'on le mette en premier, voilà, mais ce n'est pas écrit non plus. Concernant le procès-verbal que l'on verra tout à l'heure, tout conseiller a le droit de demander un rectificatif du procès-verbal. Tout simplement, commise sur un vote, sur des propos qui ont été tenus, donc il peut demander une modification. Ensuite, il doit y avoir une désignation de secrétaire. D'accord ? Et même, je vais être précis, excusez-moi, j'aurais dû le faire dans l'autre ordre. D'abord, souvent, on désigne le secrétaire et ensuite, on adopte le procès verbal. D'accord ? Et comme il n'y a pas d'ordre préétabli, je vous dis la tradition comment on fait. Le secrétaire, lui, est chargé de la rédaction du procès-verbal. Premier élément, le secrétaire doit être désigné par le conseil municipal et non pas par le maire. Il peut être proposé par le maire, mais c'est le conseil qui le désigne à chaque réunion du conseil. La vie peut faire que ce soit toujours le même, mais il ne peut être désigné définitivement, par exemple, dans un règlement intérieur. D'accord ? Il faut chaque fois le désigner. Le secrétaire ne peut pas être un employé de mairie. Le secrétaire est toujours un élu. Mais il peut y avoir des auxiliaires au secrétaire, qui sont des employés de mairie, qui, elles, vont faire les petites mains. En parallèle de ça, certaines collectivités optent pour un enregistrement et pour transmettre les bandes enregistrées à des sociétés qui refont, qui retapent mot par mot ce qui s'est passé lors d'un conseil. Je rappelle à nouveau à ce moment-là que le conseil est public, même si aujourd'hui je reconnais que le public n'est pas toujours accepté du fait du coronavirus, hein. Et en parallèle de ça, il peut être retransmis par de communication, le site internet, le Facebook ou autre. La séance du conseil, à partir du moment qu'elle est publique, hein, c'est pas pourtant que le public a le droit de s'exprimer. Au contraire, le public n'a pas le droit de participer au débat du conseil municipal. C'est au président de s'assurer que le public garde le silence. En parallèle de ça, on peut, pour X ou Y raison, limiter le nombre de personnes, et encore plus aujourd'hui, du fait du coronavirus, où on a été obligé de limiter le nombre de publics, mais après, au quotidien, suivant la taille de la salle, qui reste un ERP, et donc vous êtes responsable sur un bâtiment, du nombre de personnes qui sont admises. Cependant, vous n'avez pas le droit de limiter ou d'interdire à une partie de la population de venir. Je pense par exemple aux journalistes. Vous ne pouvez pas décider de façon définitive que les journalistes n'ont pas le droit de venir aux séances du conseil. Et en plus, je pense que ça serait une faute politique d'interdire aux journalistes de venir. Le président, lui, a la faculté, du fait de son pouvoir, de garantir le bon déroulé des débats. Et il doit sanctionner, voire
faire expulser un perturbateur s'il le juge utile. Mais il est rappelé aussi que la sanction, je mets entre guillemets le mot sanction, doit être proportionnelle à l'événement. Avant de faire expulser, il est tout simplement recommandé de faire un rappel comme quoi le débat doit être que le public n'a pas le droit de participer au débat. Est-ce qu'on a le droit de filmer? Bien évidemment, on a le droit de filmer et de le retransmettre puisque c'est public. Et en parallèle de ça, tout membre du public a le droit de filmer la séance du conseil municipal. D'accord? Vous pourriez l'interdire à partir du moment où ça perturbe l'organisation du conseil. Et là aussi, ça va être des fois un petit peu compliqué de faire, comment dire, de faire valoir devant un juge qu'il a perturbé la séance du conseil. D'accord? Vous avez une photo derrière que je vous ai mis volontairement où une salle du conseil a priori a été envahie et le président a fait appel à la police municipale pour faire évacuer le public ou une partie du public. Je vous le dis, je reviens sur le fait d'enregistrer, que le public enregistre la séance du conseil municipal parce que ça a été des questions, et c'est des questions depuis quelques années où on s'aperçoit qu'une partie de la population des fois peut venir et enregistrer l'élément. Vous n'avez pas le droit de l'interdire dans le règlement intérieur, ni de délibérer dans ce sens, ni de prendre un arrêté municipal. D'accord? Je vous le dis, étant donné que c'est public. Alors, le huis clos. Là, je vous parle du huis clos, de l'article 21-21-18 du Code général des collectivités territoriales, du véritable huis clos. Alors, pourquoi je précise le véritable huis clos? Pas le huis clos qu'on a parfois appliqué lors de l'élection du maire et qui a été prévu en 2020 uniquement suite au coronavirus, qui était, je vous le rappelle, un huis clos spécifique qui prévoyait que à partir du moment où vous interdisiez le public, que vous le marquiez dans votre convocation, que vous aviez l'obligation de retransmettre la séance du conseil sur des réseaux sociaux, en direct, sur une chaîne de la mairie ou autre. Là, je vous parle du véritable huis clos, celui qui est prévu dans les textes et qui est demandé soit par le maire, soit par trois membres du conseil, où on vote. Et si le huis clos est adopté, on fait évacuer le public. Pourquoi je vous dis ça? C'est cette règle, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas convoquer votre conseil municipal en disant « il va se réunir à huis clos ». Vous ne savez pas par avance quel va être le choix de votre conseil municipal, s'il va aller dans ce sens ou pas. D'accord? Donc, il faudra faire évacuer le public, puisque au début, avant l'adoption du huis clos, le public a pu rentrer. Le huis clos ne se débat pas, d'accord? Il est mis à l'ordre du jour et il est adopté ou refusé. On peut cependant permettre aux fonctionnaires ou à des intervenants de rester, d'accord? Pourquoi je commence à dire ça? Tout simplement, on verra par la suite que vous pouvez permettre, et c'est prévu, qu'un fonctionnaire ou qu'une personne puisse prendre la parole pour éclairer les élus sur un dossier. Je vais vous citer un exemple. Si vous avez, pour X ou Y raison, des finances qui sont un peu en difficulté et que vous ayez pris un cabinet pour vous suivre et pour vous aider sur les choix, vous pouvez faire intervenir ce représentant du cabinet lors du débat sur finances, le débat d'orientation budgétaire, pour pouvoir éclairer les élus avant de voter. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on dit que les fonctionnaires ou des personnes habilitées peuvent rester. Idem, sur un sujet à l'ordre du jour, vous pourriez demander à un fonctionnaire de venir éclairer l'assistance si vous le jugez utile. D'accord? C'est au président de séance de donner la parole pour pouvoir et que le fonctionnaire prenne la parole et de pouvoir éclairer les élus.
Sur le principe, deux éléments. Un, j'en reviens à mon huis clos. À partir du moment qu'il y a un huis clos, logiquement, les avocats sont arrêtés. Cependant, vous avez l'obligation de publicité, on le verra après, et vous avez l'obligation de compte rendu et de procès verbal. Donc, il faudra bien trouver une solution pour pouvoir noter tout ce qui s'est dit. Le conseil municipal à huis clos doit rester une exception. D'accord? Un juge pourrait vous condamner si tous les conseils se déroulent à huis clos. C'est quoi? C'est dans des cas exceptionnels. Quand on estime qu'il y a un danger pour les élus de débattre en public. Je pense par exemple là, type le coronavirus. On peut estimer qu'il peut y avoir un danger pour les élus d'avoir du public, donc on peut délibérer pour dans ce sens. La police de l'Assemblée. Alors, la police, elle appartient au maire, d'accord? Mais plus précisément, elle appartient au président, celui qui préside la tenue du conseil. C'est à lui à veiller à ce que chaque élu puisse s'exprimer et puisse s'exprimer dans des de manière courtoise, correcte. D'accord? Le président doit faire respecter l'ordre. Comme je vous l'ai dit, il peut faire expulser toute personne qui irait à l'encontre du bon déroulement du conseil. Qui cette personne encourt des sanctions dans le code pénal. Le président dirige les débats. Il veille à ce que les débats soient courtois. Et il a une obligation de saisir le procureur de la République en cas de délit, à partir du moment où des propos diffamatoires peuvent être tenus par un élu. D'accord? Il a aussi l'obligation de rappeler à l'ordre un élu qui tiendrait ses propos. Il doit inciter à la modération. La commune pourrait être responsable si le président n'intervient pas pour faire stopper ce type de propos. À évoquer le règlement intérieur, mais très rapidement, j'y reviendrai un peu plus après. Tout simplement pour vous rappeler que maintenant, dans les communes de plus de 1000 habitants, vous avez une obligation d'adopter un règlement intérieur dans les 6 mois. À défaut, dans un premier temps, c'est le règlement précédent qui sert pour encadrer vos débats. Le règlement intérieur, en parallèle de ça, ne peut pas limiter le temps de parole des intervenants de façon globalisée, mais il peut quand même fixer une certaine règle, tout en gardant une certaine souplesse. Dans les communes inférieures à 1000 habitants, vous avez la possibilité de délibérer pour donner un cadre aux interventions, mais aussi, le code vous permet d'adopter aussi un règlement intérieur. Le président peut suspendre à tout moment les débats, d'accord? Alors, c'est là où la question peut se poser de savoir quelle est, si vous voulez, cette parenthèse du débat, le timing. Il faut que le débat soit court, dans un sens. Je vais vous citer une jurisprudence. Un maire a suspendu les débats à 00h30 un soir et a repris les débats le lendemain à 18h. Le juge a trouvé que cette parenthèse était trop importante et a annulé la deuxième partie du conseil en estimant que c'était un nouveau conseil. D'accord? Donc, si vous faites cette suspension de séance, il faut qu'elle reste sur une durée convenable. En parallèle de ça, le maire peut suspendre à tout moment le conseil, même s'il a le quorum. Il peut, après le sujet 1, pour X ou Y raison, suspendre le conseil, qui ne reprendra pas, entre guillemets, et il y aura une nouvelle convocation remettant à qui aurait été abordée lors de cette première session de conseil. La partie la plus classique où le président lève le conseil, c'est à la fin, quand tous les sujets ont été abordés. Là,
le président du conseil municipal, le maire, dans 99% des cas, lève la séance du conseil à la fin. Petit rappel sur le vote. Il y a deux types de vote, soit bulletin secret, soit en public. D'accord ? La règle veut qu'à partir du moment où on vote, alors il y a une règle traditionnelle, c'est que le scrutin, il est public, d'accord ? S'il est à bulletin secret, il doit être demandé par un tiers des membres du conseil. Ensuite, il y a des règles absolues où le vote doit se tenir à bulletin secret. Pour ceux qui viennent d'être installés ou réinstallés, je le rappelle, l'élection du maire et des adjoints doit se faire absolument à bulletin secret. Après, quand un conseil se tient de façon classique, soit on est à la base de l'idée du conseil municipal qui dit que quand l'élu appelle par rapport au vote qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, aujourd'hui on lève la main. À l'époque, on se levait. Rien n'interdit aujourd'hui de se lever. D'accord ? Bon, très souvent, on lève la main. Quand il y a égalité des voix, la voix du président est prépondérante. J'ai bien dit la voix du président. Pourquoi j'insiste là-dessus ? Ben, je vais vous donner un exemple tout bête. Le maire n'est pas là. Il a donné pouvoir au deuxième adjoint. Le conseil municipal est présidé par le premier adjoint. Égalité des voix. On ne va pas regarder le vote du deuxième adjoint. On va regarder le vote du premier adjoint. C'est la voix du président et pas du maire. Et s'il y a un vote à bulletin secret, à partir du moment où les bulletins sont secrets, il n'y a pas de voix prépondérante. On ne peut pas définir qui c'est qui a voté quoi. Même si le président s'est exprimé en amont sur le vote, on ne pourra pas considérer à partir du moment où il y a bulletin secret qu'il y en a un qui est prépondérant. Petit point aussi, il y a un cas un peu particulier. Vous savez que quand on vote pour des personnes, en particulier sur le maire, c'est le doyen toujours qui l'emporte. C'est un cas un peu particulier où là, je peux intervenir. Je reviens sur les procurations. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la règle veut qu'un élu peut donner une procuration à un autre élu. Tant que nous sommes dans la partie de crise sanitaire, on a la possibilité de donner deux procurations. Le code prévoit aussi que vous pouvez donner une procuration sur trois conseils municipaux consécutifs à partir du moment où, professionnellement ou autre, vous le savez, vous pouvez le définir. Pour une période plus longue, il faut que vraiment ça soit justifié. Le juge pourrait vérifier quand même la justification. Voilà. Comme dans tout type de procuration, hein, celui qui vote, vote comme il a envie. D'accord ? On ne pourra pas lui reprocher son vote. Petit rappel sur les amendements. Tout élu a le droit de faire un amendement, c'est-à-dire une demande de modification, voire rajouter, d'adopter en début ou en fin de conseil municipal un amendement, une motion, j'oserais dire, qui peut être mise au vote. Le juge demande quand même que les amendements soient bien pris en compte. Concernant, excusez-moi, j'avais une question à laquelle je viens de voir, je n'avais pas répondu, je vais le faire maintenant. Concernant le procès-verbal, est-ce qu'il doit être à l'ordre du jour? Vous pouvez le mettre comme ne pas le mettre, c'est une obligation de l'adopter. Donc, vous avez l'obligation de le faire apparaître dans derrière, comme quoi vous l'avez adopté. Voilà. Transmission des actes à la préfecture. Suivant l'évolution, j'ose même plus dire maintenant la taille de la commune, vous avez pu opter pour le transfert de façon dématérialisée des délibérations. Donc, il existe des outils qui vous permettent de transférer automatiquement les délibérations. Petite parenthèse pendant la période du coronavirus où il y a la possibilité, suivant les préfectures, mais à ma connaissance, quasiment toutes ont accepté le fait des envois des délibérations par mail pour éviter les contacts. Donc,
Il y a ça, je pourrais. Ainsi que les arrêtés, que pour pouvoir être exécutoire, il faut qu'ils soient publiés. Donc, il y a une partie de publication dans les registres, mais il y a aussi une publication sur la porte de la mairie dans les affichages réglementaires prévus à cet effet. En cas d'oubli de transmission, ça veut dire que la décision ne peut pas être appliquée et que les délais, puisque vous savez que on peut contester une délibération, que les délais, ben, sont repoussés eux aussi. Je vous ai mis vous l'article 27-31-2 du CGCT qui rappelle tout ce qui doit être, je ne rentre pas dans le détail, vous l'avez, comme je ne l'ai pas précisé, mais ça a été écrit à un moment donné, vous aurez le support entier. Pour vous, je l'ai fait un peu plus long et je vais plus vite à certains points. Je l'ai fait un peu plus grand pour essayer que vous ayez le maximum d'informations, mais par rapport au timing qui m'est donné, j'essaye de réduire pour pouvoir rentrer dans ce temps. Là, vous avez ce qui doit être transmis. Alors, procès-verbal et compte rendu. Alors déjà, la définition. Le procès-verbal, c'est établir et conserver les faits et décisions des séances du conseil municipal. Il doit être rédigé de façon la plus complète et précise que possible et mentionner toutes les affaires débattues et décisions prises. Le compte rendu, lui, retrace les décisions prises par le conseil municipal sur les affaires traitées à l'ordre du jour sans détailler les débats. Il appartient au maire de le préparer, alors que le procès-verbal est fait par le secrétaire. D'accord? Premier élément, il n'y a pas de règle de rédaction des PV. J'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Simplement, doivent apparaître la date de réunion, qui a présidé, quel conseiller était présent, quel conseiller était représenté, qui a été désigné comme secrétaire, l'ordre du jour et les décisions prises. Il est obligatoire d'avoir le nom et le sens du vote par délibération. D'accord? Comme je l'ai dit, le PV est adopté au départ. Le procès-verbal peut être modifié à chaque, pardon, peut être modifié en début quand il est prévu à chaque conseiller qui en fera la demande. J'ai eu la question et j'ai vérifié, c'est vrai que du fait d'être dans une commune moyenne, je ne me posais pas la question de savoir si on avait obligation de faire et le procès-verbal et le compte rendu. D'accord? Parce que j'ai eu la question la semaine dernière de savoir si on pouvait faire qu'une seule chose. Pour moi, c'était non, puisqu'il y avait les deux. Et après avoir fouillé et regardé un petit peu là ce que disent les décisions de justice, je vais vous le lire. Il n'y a pas manifestement illégalité à ce que le même document tienne lieu, pardon, de procès-verbal et de compte rendu dès lors qu'il répond au contenu, retranscription intégrale des faits et décisions. Donc en fait, vous pouvez faire qu'un seul document à partir du moment où il y a la totalité de ce qui s'est passé. Donc, on est plus près du procès-verbal que du compte rendu. D'accord? Le compte rendu peut être affiché à la porte de la mairie dans la huitaine et aurait duré au minimal de 2 mois. D'accord? Le public, tout le monde a le droit de savoir ce qui s'est passé. Je vous ai marqué ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux éléments. En parallèle de ça, n'importe qui peut vous saisir et vous demander une copie d'une délibération, que ce soit une personne physique ou une personne morale. Et vous avez obligation de lui donner cet élément. Petit rappel, je vous rappelle que les photocopies sont réglementées maintenant, que vous avez obligation d'avoir délibéré pour facturer la photocopie. C'est à partir du moment où vous la transmettez le document de façon dématérialisée, il est sur le principe gratuit. Si vous ne répondez pas, la CADA pourrait être saisie et vous imposer à donner l'élément. Petite parenthèse aussi, du fait des comptes rendus
important et du nombre de séances du conseil municipal, je vous invite fortement à terme à vous moderniser, d'avoir quelque chose qui déroule, parce que sinon on n'a plus de place dans nos panneaux d'affichage qui sont de plus en plus remplis. Registre des délibérations du conseil municipal. L'idée, c'est qu'il consigne ce qui s'est produit, d'accord, ce que j'ai dit tout à l'heure. Comme je vous l'ai dit, il y a une obligation de le donner. Il y a aussi une obligation, je vous montre un exemple de Carcassonne pour que vous compreniez mieux, je vais développer sur un point. Donc là, c'est les élus, ça c'est les signatures de ceux qui étaient présents, de validation. Donc voilà, on va rentrer là un peu plus dans une délibération pour que vous ayez un peu plus d'éléments. Comme vous pouvez le voir en haut, il y a le nom de la commune, bien sûr, l'extrait du registre des délibérations. Comme c'est un registre, il est numéroté. Donc vous voyez en haut, il y a écrit 014, c'est la page 14. Il y a bien l'objet de la délibération. Il y a bien le nombre de conseillers municipaux à l'exercice, le nombre de conseillers présents et le nombre de personnes qui ont voté. La date de convocation du conseil. D'accord? Vous avez le nom du président de la séance, à savoir Gérard Lara, qui est le maire de Carcassonne, les élus qui étaient présents, les excusés qui avaient donné une procuration et les élus absents. Du secrétaire de séance. Vous avez bien la délibération. Vous avez bien, en fin de délibération, qu'elle a été adoptée. Vous avez bien le nom de ceux qui se sont abstenus. La délibération a été signée, elle a été transmise en préfecture et comme c'est un registre, il a obligation d'être paraphé à chaque page, soit par le maire, soit par un fonctionnaire à qui le maire aura donné une délégation de signature, à savoir il a été paraphé par Madame Claude Collin, qui est la directrice et qui a mis ses initiales. D'accord? Voilà un registre de libération. Règlement intérieur. Pardon, excusez-moi. Comme je le disais tout à l'heure, vous avez eu, pour les communes supérieures à 1 000 habitants, une obligation d'adopter dans les 6 mois un règlement intérieur. Pour celles qui nous sont inférieures à 1 000 habitants, vous pouvez le faire ou vous pouvez délibérer pour régler les modalités d'intervention. Si un règlement intérieur, tant que le nouveau n'a pas été appliqué, a été voté dans les 6 mois, c'est l'ancien qui s'applique. Alors, il y a des choses obligatoires et des choses facultatives. D'accord? On peut y préciser les modalités de l'opposition, en particulier dans les magazines de la collectivité territoriale. Comment elle va pouvoir s'exprimer? Bien évidemment, je le dis d'entrée, le règlement intérieur ne peut pas s'opposer aux textes et aux lois en vigueur, bien évidemment, d'accord? Il peut simplement essayer de faciliter les débats lors du conseil municipal et la démocratie dans la cité. Ce n'est pas parce qu'on réglemente et qu'on applique un certain nombre de règles dans le fonctionnement du conseil municipal qu'on va faire un déni de démocratie. Ce n'est pas parce qu'on fixe des règles qu'il ne peut pas y avoir un débat. Et on va voir aussi que se situe aussi le débat. Comme je le disais tout à l'heure, on peut définir que des fonctionnaires interviennent, même si c'est prévu dans les codes. On peut dire comment doit être rédigée une NES, comment sont présentées les délibérations, ainsi de suite. On peut par exemple fixer les modalités de consultation au sein des secrétariats de mairie des documents pour les élus. On peut aussi imposer que 24 heures, alors pas trop tôt en avance parce que le juge pourrait le sanctionner, mais on peut imposer sur une durée courte, 24 heures, le juge n'y verra pas d'inconvénient, que les élus s'inscrivent à l'ordre du jour. Donc vous saurez quel élu va intervenir sur quel sujet. Mais je n'ai pas dit qu'il doit vous donner la question en amont.
vous dire sur quel sujet il souhaite intervenir. Par contre, il y a une partie obligatoire qui doit fixer les conditions d'organisation du débat d'orientation budgétaire, les règles de consultation des contrats et des marchés publics, et fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen des questions orales qui vont être exposées au conseil municipal. Cette partie est obligatoire. Excusez-moi, là, je vais vite puisque je pense qu'il n'y a pas de communes qui sont représentées ce matin. Alors, l'idée, j'y reviens, il faut qu'il y ait de la souplesse dans un règlement intérieur, mais il faut qu'il y ait aussi une règle de bonne conduite et de démarche démocratique. On peut, par exemple, fixer les modalités de retransmission des documents à la presse aussi, par exemple. Alors, les commissions... J'irai un petit peu vite sur les commissions pour essayer d'être toujours dans mon timing d'intervention. Je vais encore plus vite sur la commission d'appel d'offres, sur les commissions obligatoires, puisque là, il n'y a pas de sujet de discussion ou autre, c'est des obligations. Moi, j'irai plutôt sur celles-là, les commissions facultatives, pour vous donner un peu plus d'éléments pour pouvoir fonctionner. L'idée des commissions facultatives, c'est de permettre aux élus de travailler. D'accord ? Alors, ces commissions, elles sont décidées en conseil municipal. Elles peuvent avoir une durée d'un mandat complet ou une période courte. Je vais vous citer deux. La commission sur... qu'est-ce que c'est que je vais vous citer sur... Les écoles, par exemple, elle peut se réunir à chaque fois qu'il y a un sujet relatif aux écoles et avant chaque conseil municipal, si vous mettez à l'ordre du jour des dossiers sur les écoles. Cependant, aussi, vous pouvez avoir des commissions un peu plus courtes pour qu'elles se réunissent. Et des fois, il y a des sujets qui sont un peu plus courts, qui apparaissent moins dans les ordres du jour, mais pour qu'il y ait un minimum, par exemple, faire une commission qui va regrouper l'enseignement, la culture, les loisirs. D'accord ? Mais à parallèle de ça, et c'est là où je vais insister un peu plus, vous pouvez mettre en place des commissions temporaires sur une durée déterminée. Je vais prendre par exemple la mise en place de pistes cyclables au sein de votre commune, d'accord ? Pour permettre aux élus de travailler en amont et de débattre sur un sujet. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que le conseil municipal ne doit pas être le café du commerce. Le conseil municipal est un organe délibérant, d'accord, où il doit y avoir un minimum de débat et de tenue. On doit débattre par rapport à des documents, alors que l'avantage des commissions, c'est qu'on peut aller plus loin dans la discussion et dans le débat. En parallèle des commissions du conseil municipal, vous pourriez créer aussi des commissions extra-municipales. Les commissions extra-municipales sont créées par le conseil municipal, mais en plus d'élus, vous pouvez y intégrer des représentants de la population ou des personnes qualifiées. Je pense par exemple, si vous créez une commission extra-municipale sur les pistes cyclables, vous pourriez mettre à l'intérieur, si vous avez le président de l'association des cyclistes ou une association qui se bat pour la création de pistes cyclables, vous pouvez l'intégrer dans ces débats. D'accord ? Donc, l'idée, j'y reviens, c'est... parce que j'ai eu la question l'autre jour sur un élu qui voulait permettre à tout le monde de pouvoir s'exprimer dans un conseil municipal. Donc, à partir du moment où vous laissez le public intervenir, c'est que vous faites une interruption de séance. Mais est-ce que c'est le lieu pour faire ça ? D'après moi, non. D'accord ? C'est les commissions en amont et c'est comment on organise ça. Démocratie participative ou la démocratie de proximité dans sa commune. Chacun est libre d'avoir pas la même vision. C'est par l'intermédiaire de ce type de commission ou d'éléments de pouvoir dire je fais intervenir de façon active ma population dans un autre lieu, je fais les comptes rendus, les commissions permettent d'éclairer les décisions des élus avant de délibérer. D'accord ?
Donc, moi, je ne suis pas du tout, je vous le dis, mais c'est mon sentiment, d'avoir un conseil municipal qui va être coupé de suspension de séance pour permettre à la population d'intervenir. Ce n'est plus un conseil municipal. Je n'ai rien contre le café du commerce. Il a tout à fait sa place dans notre société, mais ce n'est pas le lieu du conseil municipal, à mon sens. Concernant l'activité dans les commissions, vous avez une obligation aussi que l'opposition soit représentée au sein des commissions. La représentation au sein de la commission doit être proportionnelle aux voix que les élus ont obtenues, du style dans votre conseil municipal. Ben, la proportion qui a été accordée à l'opposition dans le conseil municipal doit se retrouver dans les commissions. Je ne vous parle pas des commissions indispensables et obligatoires, comme celles qu'on a pu le voir tout à l'heure. J'aurais pu rajouter celles qui contrôlent les listes électorales depuis la réforme qu'il y a eu. Je vous ai dit qu'elles avaient une durée, qu'elles ne pouvaient pas avoir une durée, soit la totalité du mandat, soit une durée temporaire. Bien évidemment, vous pouvez, si le débat n'est pas arrivé au bout, ce que vous avez. Vous avez les règles tout à l'heure, c'était pas comme ça. De composition. D'accord. Merci. Vous avez les règles de composition du conseil, des commissions. Vous avez tout type d'affaires qui peuvent être soumises au conseil municipal, qui peuvent être travaillées là. En commission. Je souhaitais terminer mon propos sur deux points. Avant de parler de l'opposition, je souhaite vous rappeler que c'est avant tout un conseil municipal, votre arène et l'arène démocratique de la démocratie, pardon, de la commune. D'accord? C'est là où le maire doit affirmer. Montrer la ligne directrice qu'il a prise et qui doit prolonger par les faits et les délibérations qu'il va faire prendre sa politique. Puisque les sujets de campagne, entre guillemets, qui vont se transformer en réalité, sont faits par délibération au sein du conseil municipal. Et je le redis, c'est la base de notre démocratie. Ce n'est pas les réseaux sociaux. Donc, à vous de savoir comment vous allez utiliser en parallèle les réseaux sociaux, le site internet, pour être un relais du conseil municipal et de la démocratie de votre commune. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important à le rappeler. Et c'est encore plus important, je le dis souvent quand je fais des formations sur la communication, en particulier la communication préélectorale. Un mandat. C'est très court pour vous, 6 ans, et c'est extrêmement long pour la population. L'estimation du temps n'est pas du tout la même suivant où on se situe. Pourquoi je vous dis ça à ce moment-là? Parce que ça peut être aussi votre manière de communiquer, de dire j'utilise 3 ans et je fais un bilan à mi-mandat, je peux faire un point et créer un deuxième projet qui va durer sur les 3 prochaines années. Et c'est là où on va pouvoir communiquer et utiliser aussi le conseil municipal comme scène de débat. Et je vais vous citer un exemple. Le maire de Carcassonne, quand il a été élu, il avait inscrit à son programme électoral la construction d'un parc aqualudique. Travaux débuteraient fin 2018. On a pris des délibérations relatives à ce projet à partir de 2015 jusqu'en 2020, où il a volontairement saucissonné le maximum pour, pendant cette longue période, faire entrer son projet dans la tête des citoyens en disant, c'était mon projet, je ne l'ai pas vraiment réalisé, mais j'avais dit que je ne le réaliserais pas là. Mais je l'ai bien lancé. Et en saucissonnant et en mettant à plusieurs reprises au sein du conseil municipal, en rappelant à la presse les éléments, on a fait entrer ce projet
qui pour les Carcassonnais n'a pas encore eu tout juste la première, pardon, je m'en dirais, a eu la première pierre, mais loin d'être sorti, mais qui est un projet acquis. D'accord ? Alors, les groupes d'opposition, vous pouvez fixer un seuil dans le règlement intérieur. Je vous rappelle qu'il faut utiliser en chance le fait d'avoir une opposition et pas un élément comme un talon d'Achille. Vous pouvez fixer les règles et les modalités de fonctionnement des groupes. Et vous pouvez fixer aussi dans ce règlement intérieur les modalités de fonctionnement et d'attribution de locaux ou de moyens aux groupes politiques qui se seront créés. D'accord ? Attention, je vous fais un petit rappel, il faut bien faire la distinction entre la liste qui s'est présentée et le groupe politique, puisqu'il y a des élus qui peuvent basculer des fois de la majorité vers l'opposition ou de l'opposition vers la majorité. Voilà. Donc voilà moi ce que je souhaitais vous dire ce matin par rapport au conseil municipal. Les grandes lignes, j'oserais dire. J'espère avoir été clair, mais je suis prêt à répondre à un certain nombre de questions, soit qui ont été notées par Nathalie ou Laurence, soit s'il y a des questions directes. On passe la parole à Nathalie ou à Laurence. Laurence, peut-être ? Si n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions sur le contenu de la réunion, on vous écoute. Hein. Sachant que moi, je n'en ai noté aucune, à part celle sur le vote du procès-verbal, mais à laquelle M. Rigobonnet a répondu. J'ai une question, si vous me demandez. Oui, alors est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Oui, alors d'abord, je voulais savoir si la communication était bonne. Alors moi, je suis Jean-Baptiste Laborde et je suis conseiller nouvel élu à la mairie de Laborde. La petite question, je voulais savoir, en cas d'absent, on va dire, est-ce que soit dans un règlement intérieur, ou peut-être remettre en question cette absence. Est-ce qu'il y a des jurisprudences là-dessus ou... Oui, sur le principe, oui, il y a un élément. Alors, dans le code, il y a un élément, mais ensuite, la question est de savoir pourquoi est l'absence et comment on fait valider. Je vais vous citer un exemple. À Carcassonne, nous avons un conseiller municipal d'opposition qui ne siège plus depuis 3 ans. Son état de santé ne lui permet même pas de rédiger ou d'exprimer son souhait de démission. Donc, la question est humaine derrière. Voilà. D'accord, voilà. Là aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur le principe, le texte prévoit que vous pouvez donner un pouls jusqu'à 3 conseils consécutifs et ensuite un peu plus long si c'est justifié. Suite à une maladie, vous pourriez justifier qu'il y a pendant 6 mois, vous ne pouvez pas vous rendre aux réunions du conseil municipal. Suivant la période, les conseils peuvent être très proches. Je pense par exemple celui quand il y a le débat d'orientation budgétaire et le budget, on est sur déjà 2 conseils qui sont assez proches. D'accord ? Donc on est sur une récurrence un peu particulière. Ensuite, sur le principe, ça ne pourrait être, suivant la taille de la commune, que 4 réunions par an. Ensuite, sur l'absence, la deuxième partie, je pense que vous devez avoir une information sur le statut de l'élu ou sur... Laurence, c'est ça, c'est prévu ça ? Sur le statut de l'élu, sur les absences ? Non, est-ce qu'il y a une formation sur le statut de l'élu ? Oui, bien sûr. Hein. Voilà. Oui. Ce mercredi, il y a une réunion sur le statut de l'élu. Donc, on parlera... Donc, sur le statut, je parlerai des possibilités que vous avez en tant qu'employé, fonctionnaire, pour pouvoir vous rendre aux réunions du conseil, ce qui évite d'être absent.
Voilà, les déclarations d'absence et les crédits d'heure, hein, tout ça. Voilà. D'accord. Très bien, merci. Juste une précision par rapport au débat d'orientation budgétaire. Pendant l'état d'urgence, quand même, il y a la possibilité de le voter le même jour que le budget. Pour information. Je ne sais pas si vous l'aviez précisé. Je sais pas. Voilà. Donc là, exceptionnellement, comme on est en état d'urgence, vous devez voter le DOB peut se faire le même jour que le vote du budget. Voilà. Puisque certains n'ont pas encore voté le budget. Donc sachez-le, quoi. Oui, alors sur ce point, Laurence, je me permets de signaler qu'il y a sur la chaîne YouTube de Mairie 2000 une petite visio sur justement l'élaboration et le vote du budget pendant la période de Covid-19. Voilà, donc vous pouvez vous y rendre. Je vais vous écrire le lien là qui vous permettra d'y accéder. Je vais déjà le chercher. Pendant ce temps, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, il y a une autre question. Est-ce qu'il y a un seuil d'habitants pour la création des groupes d'opposition? Non, c'est le règlement intérieur qui va créer le groupe. Donc, logiquement, d'après la base, c'est un groupe, c'est deux. Là aussi, je le dis, il ne faut pas que votre conseil municipal soit une chambre d'enregistrement. D'accord ? Je crois que même si on estime que la démocratie. Pardon. Même si une partie de la population estime que la démocratie ne se fait pas au sein du conseil municipal, moi je rappelle que comme vous êtes élu, votre base de démocratie reste et doit rester au sein du conseil municipal. Que les réseaux sociaux soient un moyen d'information et ne sont pas des éléments de démocratie. Voilà. Et il faut, je pense, beaucoup, beaucoup, beaucoup de distance quand on est élu avec les réseaux sociaux. Alors justement, excusez-moi, parce que justement, tout à l'heure vous parliez que, par exemple, une personne du public prend la ligne de smartphone et filmer une... Oui. Facebook, elle va mettre des commentaires. Est-ce qu'on peut intervenir là-dessus? Ben, la question est de savoir... Parce que tout le monde subit un peu ce genre pendant la campagne électorale. Tout le monde a subi un peu ce système où les gens ne vont pas dire ouvertement, mais vont le faire, moi je trouve, d'une manière un peu lâche, par des systèmes, par des réseaux. Quoi. Voilà, c'est tout le problème d'aujourd'hui de la... des réseaux sociaux. J'ai volontairement insisté sur le fait que vous n'avez pas la possibilité d'interdire de filmer, puisque la jurisprudence montre qu'à partir du moment où c'est public, vous avez une obligation de laisser le public filmer. Comme j'aurais pu le dire, pardon, je ne sais plus si je l'ai dit ou pas, vous avez, vous, la possibilité, en tant que collectivité, de diffuser en direct la totalité de vos conseils municipaux. D'accord, donc voilà. Alors, moi, je ferai attention tout simplement sur les réseaux sociaux, même si c'est pas trop le thème de l'intervention, mais je ne crois pas qu'il faut rentrer dans une surenchère d'informations et de communication sur les réseaux sociaux. Et je vais jusqu'au bout. Suivant la taille de votre collectivité, je ne serais pas choqué qu'il y ait plusieurs types de Facebook. Alors, je vais prendre Facebook comme j'aurais pu prendre un autre type de moyen d'information, que ce soit YouTube, que ce soit Instagram, LinkedIn ou autres, qui aujourd'hui sont, à mon sens, ceux qui sont les plus connus. Pardon. Et le principal en politique. Moi, je ne serais pas choqué que, suivant la taille de la commune, il y ait 2 à 3 Facebook. Compte, pardon. Le premier étant le compte classique de la collectivité. Le deuxième étant le compte du maire. Je n'ai pas dit du nom du maire, d'accord ? Du maire de la collectivité 2. Et le dernier étant le compte personnel de celui qui en plus est maire.
Mais là, c'est une usine à gaz, peut-être qu'on va construire. Donc, ça dépend de la taille de la commune que vous avez. Il est bien évident, si vous avez la possibilité d'avoir un service de communication, le service communication pourrait prendre en charge, même si dans le temps, il y a beaucoup de petites communes. Je vois Laurence qui sourit. C'est pareil dans l'Aude. Le service communication pourrait prendre en charge de Facebook. Bon, on est bien d'accord que dans 80% des cas, c'est l'élu qui fait tout. Donc, derrière, là aussi, pour moi, il ne faut pas rentrer dans une surenchère de commentaires sur les comptes Facebook. Après, il faut que vous relativisiez qui c'est qui va regarder, qui c'est qui va commenter. Alors, ceux qui vont vous glorifier, c'est ceux qui votent pour vous. Ceux qui vont vous massacrer, c'est ceux qui n'ont pas voté pour vous. Et derrière, il faut relativiser le nombre de commentaires par rapport. Moi, ce que je fais que dire toujours, c'est surtout ne bondissez pas dès qu'un commentaire a été fait. D'accord ? Pourquoi je dis ça ? Parce que sinon, c'est une surenchère et vous n'allez jamais en sortir. Puis quelque part, on approuve un peu le système. D'accord. Moi, je suis plutôt sur le système d'information, point. Pas besoin de commenter vitam aeternam. Alors, je reconnais aussi que les réseaux sociaux, pour les collectivités, là, ont joué un rôle encore plus accentué pendant la période du Covid. D'accord. Et beaucoup de collectivités se sont mis là-dessus pour pouvoir aussi essayer de toucher une autre population. Je vais jusqu'au bout, en toute sincérité. Si on a dépassé 25 ans, je pense qu'on est sur des réseaux style Facebook, mais en dessous, on est plutôt sur Instagram. Donc la question est de savoir aussi quelle tranche de population vous voulez toucher et pourquoi vous voulez toucher. Excusez-moi, ma question c'était plutôt de voilà une personne du public qui va filmer, qui va mettre sur Facebook et qui va faire des commentaires, donc ses propres commentaires. Dans un conseil, ma question c'est plutôt est-ce qu'on a un recours ou est-ce qu'on demande à cette qui ne sera pas fait en séance en fait. C'est aujourd'hui c'est les réseaux sociaux, hier c'était Internet et avant-hier c'était le tract. D'accord. Donc ce type d'élément a toujours existé. La question, j'y reviens, excusez-moi, c'est quel est le volume de personnes qui sont touchées. Donc je pense pas qu'il soit souhaitable de rentrer dans une surenchère de commentaires et d'informations parce que c'est infernal. D'accord. Vous allez avoir très peu de personnes qui sont pour vous, qui vont vous aider, je vais mettre entre guillemets le mot aider, dans vos textes, et vous aurez plus une opposition qui ne va pas vous louper et qui va vous donner commenter entre guillemets la partie négative, j'oserais dire. De toute façon, est-ce qu'on peut empêcher un spectateur du conseil de filmer le conseil ? Pas du tout. De ce moment-là, on ne peut pas faire grand-chose. À partir du moment où il a enregistré, il a sa vidéo. Je suis d'accord. Le seul élément que l'on pourrait dire, c'est qu'on peut interdire de filmer à partir du moment où on estime que la personne qui filme perturbe la séance du conseil municipal. Mais là aussi, c'est jusqu'à quel point la personne va perturber le conseil municipal. Vous allez rentrer. Je vais prendre un cas concret sur la commune de Trèves où il y a une, j'oserais dire, une pseudo-journaliste. Quand je dis pseudo-journaliste, puisqu'elle n'appartient pas à un organe de presse, elle est sur
un site internet qu'elle a mis à Trèbes pour faire de la communication et où elle commente un peu la vie politique et la vie locale. Cette personne vient à tous les conseils filmés. D'accord ? À plusieurs reprises, le maire lui a rappelé le fait de rester calme, assise. D'accord ? Parce qu'au bout d'un moment, quand elle se lève ou autre, elle perturbe. Derrière, elle fait des commentaires par rapport aux réunions du conseil municipal. Et on est arrivé à un système où aujourd'hui, elle est l'organe de presse, comme on pouvait, ou l'organe de communication de l'opposition municipale. J'y reviens. Ça touche qui ? Beaucoup de personnes. Le maire de Trèbes a été réélu face à deux listes à 60% au premier tour. D'accord ? Donc, ce n'est pas parce que vous avez un organe qui va être contre vous que... Moi, ce que je veux dire, c'est simplement de rester mesuré, voire de ne pas répondre. Voilà. C'est plutôt ma stratégie. Très bien. Merci beaucoup. Hein. Merci. Et après, il y a... Si je peux, pour revenir sur les pages Facebook, certes, vous pouvez prendre le parti de ne pas répondre, mais surtout, ne supprimez pas les commentaires négatifs. Ça, s'il y a un conseil à donner, c'est bien celui-là. Si, par contre, vous avez, je suis d'accord avec Nathalie, à partir du moment où les propos ne sont pas diffamatoires. Absolument. Voilà, c'est la seule limite ou autre que l'on peut avoir. Pareil pour le conseil municipal, hein, je l'ai dit, mais j'insiste un petit peu, même si c'est un petit peu changé dans beaucoup de communes. Vous pouvez être responsable si vous ne coupez pas la parole ou si vous n'intervenez pas si un conseiller municipal tient des propos diffamatoires ou injurieux. D'accord ? Ça, vous pourriez être mis en cause si vous n'intervenez pas pour le faire stopper par un autre élu. Si quelqu'un de votre majorité tient des propos diffamatoires à l'encontre d'un élu de l'opposition, si vous ne bougez pas, l'élu d'opposition pourrait vous rendre vous responsable et la collectivité que vous représentez pour non-intervention en tant que responsable de la police de l'Assemblée. D'accord ? Donc veillez aussi à ça. Y a-t-il d'autres questions ? Oui, j'aurais une question moi, concernant le droit de l'opposition. Est-ce que vous pouvez vous présenter, pardon ? Voilà, je m'appelle Alain Malric, je suis élu d'opposition sur la commune de Puy-Laurent, dans le Tarn. Voilà, je voulais savoir la possibilité qu'on a de demander un débat sur la politique générale engagée par le maire et sur le fait que cette question, si elle doit être mise à l'ordre du jour, est-ce que le maire a le droit de la refuser ? Oui, à partir du moment où il le justifie. Même y compris une déclaration de politique générale, parce que j'avais compris que la dernière loi prévoyait que c'était obligatoire et qu'il avait obligation de le mettre à l'ordre du jour. Il doit informer les orientations qu'il prend et toutes les délibérations sont des éléments d'orientation de sa politique. Concernant vous avez le droit de demander à ce qu'un sujet soit inscrit à l'ordre du jour et le maire, comme il est maître de l'ordre du jour, peut refuser de l'inscrire à partir du moment où il va donner une justification. Y compris par rapport à la nouvelle loi de 2019, là, sur la déclaration de politique générale, j'ai cru comprendre que c'était une obligation pour le maire de le mettre à l'ordre du jour. Il doit donner, bien sûr, les orientations de sa politique. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais la question, après, c'est flou, hein ? Oui, je comprends, oui. Beaucoup. Je vous rappelle, c'est le sujet aussi souvent qui est donné lorsque le maire s'installe. Oui, mais s'il refuse, supposons qu'il ne présente pas. Quand il fait son discours d'investiture, c'est le même débat qu'il fait la fois d'après quand il met en place notre commission. On n'est pas comme comment dire, comme à l'Assemblée nationale, mais c'est réglementé.
D'accord, je serai là, je ne sais pas, vous êtes une quarantaine, 39, de lire les discours d'orientation de votre politique aux 40 ans. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a pas de règle absolue. D'accord. Il peut vous avoir dit, il peut le mettre à l'ordre du jour et vous parler de tout et de rien, de la pluie et du beau temps. C'est pour ça que je vous ai dit après que l'orientation politique et autres, elle est donnée par les délibes et la méthodologie qu'on donne sur l'organisation de son ordre du jour. Ça veut dire que, bon, je prends un exemple, premier conseil, on n'a pas reçu de document concernant une décision qui a été portée à l'ordre du jour. Ça passe quand même. Pardon ? Combien d'habitants ? 3200. Donc ça veut dire que l'opposition se résume à rien, quoi. On ne peut pas obtenir de débat sur la politique générale, si on ne peut pas obtenir de documents sur les décisions qui sont mises à l'ordre du jour. Vous avez quand même la possibilité de consulter un certain nombre de documents, comme tout citoyen. Sauf que si, si le conseil a lieu le lundi et qu'on reçoit l'ordre du jour le vendredi, la mairie est fermée le samedi, ça va être compliqué, quoi. Ensuite, comme tout citoyen, vous avez le droit de consulter la CADA, qui est la commission qui est le recours en cas qu'une collectivité ou une administration refuse de vous communiquer un certain nombre de documents. La CADA examine la demande et impose aux collectivités de fournir les documents qui sont demandés. Ou j'entends à juste titre, qu'il y a le délai n'est pas respecté. En parallèle de ça, je vous ai dit aussi que dans le règlement intérieur, on pouvait, et ça peut être l'une des choses qui peuvent être demandées ensuite à débat, vous pouvez consulter un certain nombre de pièces. Vous pouvez fixer dans le règlement intérieur les modalités de consultation de ces pièces. Soit il y a déjà un règlement intérieur qui est applicable dans votre commune, vous pouvez le demander et il sera obligé de vous le transmettre. Soit il y a un projet de règlement intérieur où vous aurez copié et là vous pourriez essayer de faire apporter un certain nombre d'amendements. Mais c'est toujours, j'ai dit aussi à un moment donné, il ne faut pas avoir peur de son opposition. Je pense que l'opposition peut être une force, il ne faut pas l'avoir comme une faiblesse au sein d'un conseil municipal. D'accord ? Donc, pour ceux qui ont une opposition, d'accord ? Donc, voilà. Après, en parallèle de ça, je crois qu'on ne peut pas reprocher à un élu d'appliquer le programme pour lequel il a été élu. On a tellement reproché aux élus de ne pas faire ce qu'ils disaient, que quand ils font quelque chose, si c'est écrit dans le programme, il ne faut pas non plus toujours leur reprocher. Le pire, c'est qu'ils ne font rien, quoi. C'est s'ils ne font pas de déclaration de politique générale et si on ne connaît pas du tout les décisions qui sont envisagées, ça quand même... Je crois que c'est toujours... C'est toujours compliqué de prendre l'élu de l'opposition. Voilà, vous verrez. C'est la première fois que vous êtes dans l'opposition ? Oui, mais... Vous verrez, mais il faut laisser peut-être un peu à l'institution de se lancer. Là. Les premiers conseils sont toujours des conseils un petit peu particuliers, où parfois la majorité et l'opposition se regardent en chaîne de alliance. Et après, ça se calme parfois. Mais monsieur, ça se retarde ces derniers mois souvent. Ok. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Oui. Il y avait une commission sur les appels d'offres. Hein. Une réunion. Oui, une question sur les appels d'offres. Oui, j'ai... Une commission sur les appels d'offres. La personne sur les. Qui m'a posé la question. J'ai répondu et je vais vous le remettre pour un peu plus d'éclaircissement. Hop, voilà, vous avez
les membres de la CAO, voilà, pour les communes de moins de 3500 habitants, c'est le maire ou son représentant, président de la commission, plus trois membres. Les communes supérieures à 3500, c'est l'autorité habilitée à signer les marchés publics ou son représentant, président de la commission, plus cinq membres. Et il y a des titulaires et des suppléants. Et oui, il doit y avoir aussi des représentants de l'opposition qui sont proportionnels, d'accord ? Qui est la même représentativité que dans le conseil municipal. J'ai réussi à l'afficher, je ne sais plus. Ça s'est affiché ou pas ? Allô ? Ah, pardon, alors attendez, excusez-moi, j'ai fait une erreur. Et je suis perdu. Après, c'est dans le support, donc... C'est dans le support, oui, oui, c'est ce que je viens de lire. Voilà. Vous pouvez aller le récupérer. C'est page 45 du support, excusez-moi, je croyais que... l'avoir affiché quand je voulais donner. Mais Nathalie, c'est toujours des super surprises. On navigue de formation en formation sur diverses applications et ce n'est pas évident de passer de l'une à l'autre ou je deviens trop vieux. On s'arrêtera là, on en a trois, ça suffira. Sinon, on ne s'en sortira pas. Il est 11h35. On est resté dans les délais. Y a-t-il d'autres questions ? Bon. Laurence ? Donc, dans tous les cas, si vous avez des questions qui vont arriver après cette réunion, n'hésitez pas à appeler l'Association des maires hein, ou à nous envoyer un mail à l'Association des maires du Tarn. Hein, on est là pour vous répondre, hein, que ce soit pour le conseil en place ou l'opposition, il n'y a pas de souci, on est là pour vous répondre, que ce soit sur la partie juridique, fiscale, financière, on est là pour vous répondre. Hein. Juste pour vous rappeler qu'il y a une réunion, la prochaine réunion est mercredi prochain, ce mercredi à 10h, sur le statut de l'élu. Donc là également, il y a pas mal d'informations à saisir, hein, puisque avec la loi engagement proximité, il y a beaucoup de nouveautés pour justement bien connaître vos responsabilités, vos devoirs, voilà, par rapport aux indemnités, aux retraites, aux assurances, voilà. Donc tout ça, c'est dans le statut d'élu, c'est quand même très important. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir à la réunion. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, je remercie. Et on va essayer de rester sur la même plateforme, hein, pour faciliter les choses. Oh, très bien, ça a bien marché. Vous l'avez bien prise en main, j'ai l'impression, donc on va rester sur celle-là. D'accord, très bien. Donc, merci beaucoup, Monsieur Rigobonnet, hein, pour votre intervention, hein, toujours aussi intéressant. Merci. Donc, merci à vous, merci Nathalie de Mairie 2000 pour l'organisation. Puis, s'il n'y a pas d'autres questions, ben, je vous dis à mercredi prochain, si vous êtes d'accord, pour le statut de l'élu. Voilà. Et moi, je vais cesser d'enregistrer. Voilà.